Bonjour à tous. Bonjour. Alors, planning de la garde, vérification du matériel, sport, puis après, selon vos occupations. Alors, pour la vérification du matériel, on y va. Il n'y a pas de directive très spéciale pour aujourd'hui. D'accord. Allez, c'est parti. On commence par quel véhicule, chef? Comme tu veux. Moi, je vais D'accord. m'occuper du fourgon compresseur. D'accord, j'occupe du VIRT. Ok, alors niveau essence, on est bon. Batterie, c'est bon. Alors, hop, on va aller voir à l'intérieur. Parti. Alors, voyons voir. Ok, donc ça, c'est bon. Ah, tiens. Bon, je te confirme, le deux tons, c'est bon. Hein. D'accord. Alors, tiens, il y a les caisses de Jordan. Si les amis là, c'est qu'il y a une raison. Les bouteilles, c'est bon. Bon, tu peux couper ton deux tons aussi, s'il te plaît, on s'entend plus dans la remise. On s'entend plus penser. Ah, pardon. Autant pour moi. Oh là oui. Autant pour moi. Pas grave. T'as juste à réveiller toute la caserne. J'ai pas fait attention, je suis pas très très réveillé. Alors, pour le pompage, ça c'est bon, il y a assez d'essence, il y a assez de batterie. Tiens, tu peux me dire si là. Bah non, c'est bon, j'ai des rétros. Tiens, oui, ça me fait penser que sur le compresseur, j'ai pas vérifié les gyros. Ah. Ouais, bon, ok, il y a un problème de sirène. J'en ferai part après. Okay. Alors. Bon, pour moi, tout a l'air bon dans le virt, hein. Alors, module de pompage, c'est bon. Les caisses avec le matos, c'est bon. Barrage flottant, kit anti-dépollution. Ok. On va refermer tout ça. Alors, tac tac tac, des bacs, le kit pour le module de pompage, ça c'est bon. Ok. Ouais, Je vais faire le moteur du VTU. bon, ok. Ah, voilà. Alors, on remet la cellule. Ok, ça c'est ok. Le deux tons. Ok. Parfait. L'échelle. Parfait. Ah, merde. Ok, feu de protection. Ah, ils ont oublié de remettre un balai. Ah ouais. Je suis un peu de billet là par contre. Ah. Bon, là, je suis pas mal. Ouais. Bon. Alors, ça donne quoi le VTU? Ouais, il y a tout dedans, il manquait juste le balai, donc c'est bon, j'en ai remis un. Ok. Vas-y, je te laisse arranger. Occasion, puisque t'as réveillé toute la caserne pour profiter. Voilà. Bon. Allez, rassemblement. Allez. Alors, c'est bon, vous avez fini la vérification. Oui. Donc il manquait quoi? Juste un balai et sur un des véhicules, il y avait un problème au niveau des gyrophares.
D'accord. Alors pour moi, sur le VPCE, il y a un problème de ton. Je pense qu'il a dû être épuisé hein, à cause des feux de forêt. C'est possible. Et sinon, c'est bon. Il manque rien, les cellules et tout ça. Donc on va qu'à nos occupations et après on se retrouve pour le sport. D'accord. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Tiens, il faut que j'aille voir le collègue là-bas, j'ai un truc à lui dire. Ah bah non. Départ VPCE, cellule lutte contre la pollution, VIRT, VLTT, FC et VTU. C'est parti. Ah, tu prends le FC, d'accord. C'est vrai qu'il garde FC. Cody 66 de VPCE, prise de réseau, effectif, deux hommes, prend le départ pour pollution. Ah, il s'arrête tout le collègue là. Quelque chose virage. Alors là, le pont, ouais, bon, là, ça passe. Il y a de la marge. Ouais, ça passe. Alors il s'arrête là, moi je vais me mettre ici du coup. Là, ouais, ce sera bien ici. Hop. Il y a eu chaud lui, hein. Un peu plus, il allait se voir la cellule. Voilà. Bon. Bon, allez, donc moi j'y vais vite fait là. Cody 66 de VLTT 0, de VLTT 34. Prise de réseau, effectif 1-0-0, prend le départ pour pollution. Tiens, bah, ils sont là, les collègues. Oula, oui. Ah, le chef qui arrive. Cody 66 de VLTT 34 sur les lieux. Alors, qu'est-ce qui se passe? On a une pollution, alors on n'a pas toutes les informations, on attend encore plus de précisions, mais on est bien sur une pollution. D'accord. Bon, vous avez lancé les analyses avec le CMIR, le VIRT et tout ça? Oui, eux, ils sont en cours d'analyse justement. D'accord. Ok. Bon, bah, vous mettez en place déjà un barrage anti-pollution? Bien. Le barrage. Chef, on a les résultats d'analyse. Oui, je vous écoute. Donc c'est beaucoup de produits ménagers qui ont été déversés ici. D'accord. Du coup, aéré obligatoire pour tout le monde. Reçu. Bon, bah, je transmets tout ça au CODIS. Merci. CODIS 66 de VLTT 34. Après une analyse avec les spécialistes du VIRT, nous demandons la gendarmerie sur place pour contribuer à la sécurité ainsi que la lyonnaise. La pollution est d'origine et due à des produits ménagers en forte densité. Okay. Tu vois, bah c'est nickel, là t'as la gendarmerie qui arrive. Ils ont du mal à passer ou quoi? Ah, punaise, bah. Ok, hop. Bonjour, Bonjour. gendarmerie. Ouais. Alors, si on vous a demandé, c'est pour éloigner tous les badauds là qui est autour, parce que bon, on est à côté d'un hôtel. Mais bon, il y D'accord. a un peu trop de circulation et ça nous gêne sur notre intervention là. D'accord, bah, je vais prévenir mes collègues, puis on va éloigner tout le monde, mettre en place un dispositif. Ok, merci bien. Ouais. Ok, les mecs, on se prépare, vous sortez tout ce qui est ruban, on fait un dispositif, on éloigne tout le monde. Bon, de notre côté, les gars, on en est où avec la pollution?
D'accord, la Qu'est-ce qui pollution vous est... plaît? D'accord, Éloignez donc les lieux. il n'y a plus de... D'accord, ok. Bon, bah, je vais passer un message au CTA Codis et voilà. Ok, ça marche. Qui a premier ruban mis en place. Chef de groupe de Codis 66, sur les lieux, pollution, la pollution, la progression de la pollution a été stoppée suite au barrage filtrant posé par les sapeurs-pompiers. La gendarmerie est sur les lieux. Nous sommes toujours en attente de la Lyonnaise des eaux. Les moyens sapeurs-pompiers seront de retour d'ici 15 à 20 minutes. Terminé.